La méditation de ce 28 novembre est intitulée « Faites résonner en écho ce message ». L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Peu avant son ascension, le Christ chargea ses disciples d'aller partout dans le monde en tant qu'enseignant de la justice. Parmi les croyants à qui cette tâche fut confiée, il y en avait plusieurs d'humbles extractions, des hommes et des femmes qui avaient appris à aimer le Sauveur et qui étaient déterminés à suivre son exemple d'abnégation et de service sacrificiel. Cette mission d'aller dans tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, Marc 16, 15, fut confiée tant à ses humbles disciples aux talents limités qu'à ceux qui avaient accompagné le Sauveur durant tout son ministère terrestre. Aux membres de l'Église chrétienne primitive fut confiée une responsabilité fiduciaire, sacrée. Ils devaient être les exécuteurs du testament dans lequel le Christ avait légué au monde le trésor de la vie éternelle. Des croyants de tout âge ont participé à la tâche confiée aux premiers disciples. Dieu désire que chaque croyant soit un exécuteur du testament du Sauveur. L'œuvre désintéressée du peuple de Dieu dans le passé constitue pour ses serviteurs d'aujourd'hui une leçon de choses et une inspiration. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui doit être zélé pour les bonnes œuvres, détaché de toutes les ambitions mondaines et marcher humblement dans l'empreinte des pas de l'humble Nazaréen. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entende dise « Viens !» Cette charge d'inviter les autres à venir concerne toute l'Église et s'applique à tous ceux qui ont accepté l'invitation divine à répéter ce message, disant à ceux que nous côtoyons « Viens !» Dès le premier moment de la conversion, ceux qui ont reçu le Christ doivent devenir la lumière du monde. L'Esprit-Saint représentant du Christ, arme le plus faible de puissance pour avancer vers la victoire. L'œuvre que certains sont capables de réaliser peut paraître limitée par les circonstances, mais quel qu'il soit, s'il est réalisé avec foi et diligence, ses répercussions se feront sentir jusqu'aux plus lointaines extrémités de la terre. Amen.